Dans les brumes du CO2, j'aperçois un crétin de chien qui va traverser la bretelle d'autoroute. Fais pas ça ! Je voudrais lui dire. Mais je la boucle. Hein. Chacun sa vie. Et une vie de chien. Tout le monde s'en fout. Sais-tu ce que tu viens de faire ? Je viens de provoquer un carambolage ! C'est quoi cette salade ? Je suis rodé sacrément au poil. J'ai mis tout ça au point tout seul. T'es un chien, un vrai chien. Ça ne se voit pas. Tu pisses en levant la patte ? Pas toi ! Tu es un chien errant. Absolument. Licencié pour faute professionnelle grave. On voit tout de suite de quel côté tu penches. Le maître, c'est le maître. Le chien, c'est le chien. C'est chez toi, ici ? Oh, elle a pas mal. Elle a pas mal. Elle a pas mal. Ce que je gagne petitement, la vie le bouffe voracement. C'est quoi cette odeur de pétrole ? Et je dis à chien en rentrant. C'est toi qui pue comme ça ? Il m'a expliqué qu'il s'était roulé sur un chiffon de pompiste pour faucher une tranche de jambon sans se faire remarquer. Putain ! Oh, je me suis trompé, quelle allure ! Chien, tu découvres la force de l'apparence. Tu n'as pas beaucoup dormi la nuit, ça te travaillait ? Laisse ma vie intime flotter autour de mon cou, c'est une belle écharpe, ne viens pas t'y moucher. Tu es de la famille ? Mon frère aîné est chien de traîneau dans le Grand Nord. Ma sœur travaille au stup. Et mon petit frère est en place chez une vieille dame qui n'y voit plus. Et toi, tu es le rebelle de la bande ? Ah. Mon ami s'est lancé devant la voiture. Frein, cri, portière. « Nom de Dieu ! Nom de Dieu !» disait le ministre bourré. Moi, j'arrive, je dis « Assassin, vous venez de tuer mon chien !» Mon ami faisait si bien le mort que je croyais qu'il l'était. Le ministre bourré ne voulait pas qu'on appelle les flics. « On va s'arranger, hein ?»